We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Ladies and gentlemen, greetings everyone. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Merci de participer dans la session qui est dédiée aux résultats du travail des meilleurs, du Forum des meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Bienvenue à tous ceux qui sont à Katowice. Bienvenue à ceux qui sont avec nous par Internet. Je suis membre du groupe de conseil MAG et l'une des modératrices du travail des meilleurs, du Forum des meilleures pratiques pour la cybersécurité. Je souhaite la bienvenue en particulier à ceux qui se connectent à nous par le biais de Hub, en particulier celui de Madagascar. Donc notre format est un format hybride et vous pouvez prendre la parole aussi bien de la salle que par Internet. J'aimerais en premier lieu donner la parole à Marcus Hummer qui, comme moi, modère le Forum des meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Oui, bonjour à tous, indépendamment de où vous êtes. Je voulais dire quelques remarques, faire quelques remarques préliminaires en ce qui concerne le travail du Forum de meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Ce sont des groupes de travail qui ont été créés en 2014 et leur objectif était d'élaborer des résultats plus concrets car bien souvent l'IGF rencontrait des critiques où les résultats des débats n'étaient pas suffisamment concrets. Donc le Forum des meilleures pratiques génère des rapports très concrets, des conclusions très concrètes. Comme je l'ai mentionné, les premières conclusions de ce type sont apparues en 2016. Et depuis cette année, chaque année, on élaborait des rapports à base des travaux effectués dans le cadre du Forum des meilleures pratiques de l'ONU. Donc nous parlons maintenant beaucoup du futur de la coopération numérique. Nous avons une feuille de route du secrétaire général pour la coopération numérique. Nous avons aussi cet accord mondial numérique qui se dessine à l'horizon. Et nous avons aussi le Forum de coopération IGF+, qui trouve sa place dans le paysage. Le secrétaire général appelle à plus de travail plus inclusif dans le cadre de ce forum. Donc je dis du travail qui seront plus inclusifs, plus pertinents et plus concrets. Je pense que ces travaux du BPF, donc de ces forums de meilleures pratiques, Best Practices Forums, c'est des questions qu'il faut discuter pendant des rencontres telles que celle d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous, de participer dans le cadre de cette session qui résume les résultats du BPF pour la cybersécurité. Comme mentionné avant, ces forums de meilleures pratiques ont une longue histoire. Nous travaillons depuis quelques bonnes années et en particulier dernièrement, nous nous concentrons sur les questions de normes concernant la cybersécurité. Et là, je vais montrer quelques diapositives au sujet des résultats que nous avons déjà créés. J'espère que vous voyez tous la diapo. C'est justement la diapo sur le travail du BPF pour la cybersécurité. Nous nous rencontrons ici en 2021. Ici, c'est le programme de notre réunion. Je vais vous dire tout ce que nous avons fait dans les dernières années. Ensuite, on va faire une petite revue des travaux dans le cadre d'un des sentiers thématiques dont s'occupe notre BPF. Et ensuite, nous allons parler en détail du sujet suivant qui concernera la vérification du fonctionnement de ces normes dans des cas concrets d'enfreinte à la cybersécurité. L'histoire, en 2018, pour la première fois, les BPF ont commencé à regarder de près les questions relatives aux normes. Nous voulions donc organiser ces travaux de telle sorte à identifier
ou à définir ce que les différentes normes, valeurs et cultures veut dire pour les différentes parties intéressées. Donc nous avons regardé les problèmes d'élaboration de normes, mais aussi des normes qui existaient déjà parce qu'il y en avait déjà qui avaient été mises en œuvre et adoptées. Nous avons commencé à réfléchir et à analyser ces normes dans un contexte plus large. En 2019, nous avons travaillé sur l'opérationnalisation donc de la mise en œuvre, c'est-à-dire de quelle manière, quels organismes signent ces normes, quelles sont celles qui les appliquent et de quoi a l'air cette application. La même année, nous avons aussi commencé à regarder en détail les contrats multilatéraux qui concernaient certaines normes sur la cybersécurité. Donc nous avons analysé les contrats signés par les représentants de différents milieux pour voir ce qu'elles contiennent et comment elles sont mises en œuvre en pratique et comment elles s'inscrivent dans la formation des normes qui régulent ce domaine. En 2020, nous avons regardé de près les principes normatifs qui décident du déroulement de la gestion de ce domaine à l'échelle mondiale. Donc nous avons commencé par regarder de près ce qu'étaient ces normes et quel était leur impact sur les manières de gérer le cyberespace pour voir de quelle manière les normes qui marchent dans une partie du monde puissent être aussi peut-être appliquées dans d'autres contrées, d'autres régions du monde. Maintenant, on passe à notre année 2021 et on réfléchit sur la possibilité de créer de la valeur ajouter encore. Il s'avère que les normes sont élaborées. On peut voir des points communs entre les contrats qui sont signés, qui concernaient et qui se référaient à des normes concrètes concernant la cybersécurité. Nous sommes donc arrivés à cette conclusion que les normes sont le résultat de certains événements qui ont lieu dans le cyberespace. Donc, elle résulte de certains incidents dans le cyberespace. Nous voulions prendre en compte certaines questions du type de l'identification d'événements, quels sont les débats qui ont lieu, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cybersécurité. Donc, une approche plus large. Dans le cadre de notre forum de meilleures pratiques, nous avons trois sentiers thématiques. Le premier de ces sentiers étant le sentier concernant l'analyse des contrats qui sont déjà signés. Nous travaillons là-dessus depuis 3 ans et nous continuons cette initiative. Et en ce qui concerne les modérateurs de ces sentiers, c'est entre autres John Herring et Pablo Hinojosa. Donc c'était ce premier sentier, l'analyse de tous les documents normatifs, ensuite le choix de ceux qui avait la plus grande influence sur le cyberespace et qui marchait le mieux dans le cadre de différents événements dans le cyberespace. Nous avons aussi voulu regarder de près les éléments qui étaient communs pour les différentes normes et ce qui était utilisé dans peu de documents de ce type. Au cours du temps, nous avons analysé un nombre croissant de documents. Et cette année, nous en avons analysé 36. Le deuxième sentier thématique, c'est le sentier qui concerne les événements en matière de cybersécurité. Nous avons élaboré une liste d'événements importants en matière de cybersécurité des 30 dernières années. Et nous avons commencé à analyser de manière très détaillée ces événements. Nous avons commencé à réfléchir de savoir si les normes qui existent aujourd'hui auraient peut-être permis de prévenir de tels incidents si elles avaient été mises en œuvre dans le passé. Donc ça, c'est nos sentiers thématiques. Et dans le cadre de ces travaux, nous avons publié des comptes rendus spéciaux que vous pouvez télécharger sur notre site Internet. Troisième sentier thématique. Et ici, Chetal Kumar et Marcus Kummer qui gèrent ça. Il s'agit ici de la communication avec les entités intéressées de savoir comment l'opinion publique peut
apprendre plus sur le sujet des normes, comment nous pouvons coopérer en matière de ces normes pour, par exemple, mener des analyses détaillées de nouveaux événements qui peuvent survenir. Donc, pour faire la synthèse de nos travaux cette année, il est bon de dire que nous avons tenu à dire, à constater de quelle manière ou comment pouvons-nous dire que les principes qui ont été mis en œuvre ont fait leur effet, s'ils aident réellement à résoudre des problèmes liés à l'empreinte de la cybersécurité. Devant nous, une session très intéressante, donc je passe la parole à Pablo Hinojosa, et qui nous dira ce que nous avons fait en matière d'inventaire et de l'analyse de contrats qui concernent les normes concernant la cybersécurité. Et nous allons voir comment ces normes sont construites et nous réfléchissons sur ce que nous pouvons apprendre grâce à de telles normes pour le fonctionnement de la cybersécurité. Ensuite, nous passerons évidemment au sujet suivant et ce sera un sujet concernant la réponse à la question si les normes d'aujourd'hui pourraient aider à résoudre les problèmes qu'on a eu dans le passé. Et après, on aura le temps pour faire une brève discussion. Merci beaucoup pour participer à ce débat. Nous sommes heureux de vous voir avec nous. C'est pour vous que nous travaillons. Nous voulons que ces discussions soient les plus concrètes possibles. Nous apprécions le fait que vous nous avez beaucoup consacré du temps et nous espérons que vous apprendrez des choses intéressantes aujourd'hui. Pablo. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de pouvoir prendre la parole en une telle compagnie. J'aurais aimé vous rencontrer en personne à Katowice, mais je suis resté bloqué au bureau. Hélas, ici. Je suis donc en ligne, j'ai parlé de mathématiques numéro 1, j'ai une présentation sur le sujet. Est-ce que vous la voyez? J'aimerais que vous me confirmiez si vous la voyez bien à l'écran, là-bas à Katowice. Vous la voyez très bien. Anakan et moi-même parlerons de ce que nous avons pour l'instant réussi à réaliser dans le cadre des travaux autour du domaine thématique numéro 1. Je ferai pour ma part référence à une analyse quantitative, alors qu'Anakan s'occupera des aspects plus qualitatifs de nos travaux. John Herring c'est celui qui a été à la direction des travaux, mais qui ne participe pas à la discussion aujourd'hui, à notre discussion, hélas, parce qu'il a été mobilisé sur une autre session, sur un événement parallèle. Mais je vais vous présenter des aspects que lui-même aurait soulevés. Ne vous inquiétez pas. Des bénévoles donc ont été engagés dans notre travail, grâce auxquels nous avons pu collecter des données. L'apport de ces bénévoles a été particulièrement précieux. Ce sont des gens qui se sont proposés d'eux-mêmes, qui se sont organisés d'eux-mêmes. Et je voudrais souligner leur rôle ainsi que celui de John qui n'est pas là. Comme Martine l'a dit, le gros de notre travail, c'était analyser les normes en matière de cybersécurité. Nous avons réalisé un inventaire, une analyse des normes, ainsi que des contrats contenant ces normes. Il faut garder à l'esprit que notre forum de meilleures pratiques concernant la cybersécurité a dû, pour commencer, réunir les critères selon lesquels les contrats seraient analysés. Quels auront été ces critères? Eh bien, voilà, le premier, c'était la chose suivante, il fallait que les contrats soient internationaux. Deuxième critère, les contrats devaient avoir pour but d'améliorer la situation générale en matière de cybersécurité. Nous avons donc réuni tout un ensemble de contrats sans traité. Il n'y a pas de traité, il n'y a pas d'accord officiel. De pactes, de chartes signées
entre des pays donnés. L'idée était vraiment de réunir des contrats sur des normes non contraignantes en matière de cybersécurité. Voilà la liste. Je pense que qualitativement, c'est une très bonne liste. Je dois également dire qu'en 2020, nous avons analysé dans le cadre du rapport 22 contrats et que cette année, il y en avait 36. C'est une augmentation, 14. Ce sont des contrats multilatéraux avec des contrats signés dans le cadre des travaux des activités de l'ONU. Il y a par exemple un contrat qui a été passé par un groupe d'experts gouvernementaux travaillant dans le cadre de l'ONU. Il y a aussi un contrat qui a été récemment signé par un des groupes de travail engagés sur ces sujets. Il y a aussi des contrats signés par des groupes cohérents de parties prenantes. Ça peut être des forums, des syndicats professionnels, des groupes sectoriels, toujours sur le numérique, bien sûr. Il y a un autre groupe, à savoir les contrats qui ont été signés par des représentants de divers milieux, de divers parties prenantes. Alors ici, je pense qu'il serait bon de citer l'appel de Paris pour plus de sécurité et de confiance. Il y a la charte de la confiance, encore un document signé par la Commission mondiale à la stabilité du cyber, la stabilisation du cyberespace. Et puis nous avons placé un contrat signé par la Fondation World Wide Web. Voilà donc un ensemble de normes, une collecte de données. Je ne sais pas si vous connaissez le rapport de 2020, j'espère que oui, mais quelle était l'idée en fait? Quel était le but du rapport 2020? Le but était de rassembler les normes principales, les plus importantes, les normes ayant été collectées dans le rapport publié en 2015 par un groupe d'experts gouvernementaux de l'ONU. C'était l'année dernière. Cette année, nous avons élargi un peu le cadre de notre analyse et avons créé 6 catégories. En ce qui concerne les éléments concrets auxquels les normes ont fait référence dans les contrats. On pourra ici citer des éléments tels que les droits, libertés, la crédibilité des produits, la coopération, le soutien technique, accompagnement technique, etc., etc. Donc 6 catégories et très concrètement 26 différents éléments auxquels les normes devaient faire référence afin d'être prises en considération dans notre étude. Nous avons donc analysé les diverses clauses, les divers alinéas des contrats. Il y a une chose à remarquer ici, c'est que les analyses de ce type comportent toujours une part de subjectivité. Je pense que cette subjectivité, elle est liée à l'approche de la personne qui va mener le travail. C'est difficilement évitable. Cela étant, nous sommes efforcés de juguler le plus possible cette subjectivité grâce à la méthodologie. Ces résultats ne sont censés être que le début de nouvelles négociations. Nous ne voulons rien imposer. Nous voulons apporter notre pierre à la conversation, contribuer à la qualité de la conversation. John, notamment, a réalisé un excellent travail et tout comme nos bénévoles, je leur tire mon chapeau une nouvelle fois. C'est un grand travail qui a été fait au niveau de l'ordonnancement des alinéas pour diverses catégories, etc. C'est écrit petit, hein, vous ne lirez pas tout. C'est tout à fait normal. Je ne commenterai que certains éléments. Sur certains contrats, certains contrats mentionnent les droits de l'homme. Conclusion assez intéressante. Et puis, autre conclusion intéressante, la plupart des contrats mentionnent également la coopération générale. Nous avons ensuite mené d'autres études, dont des résumés concernant la fréquence
avec laquelle la fréquence d'apparition des diverses catégories dans les différents contrats. Il s'est entre autres avéré que 86% des contrats faisaient référence à la coopération générale, tandis que 69% des contrats analysés mentionnaient les droits de l'homme. C'est donc fort intéressant. Ces résultats, d'ailleurs, corroborent les conclusions des autres rapports sur les bonnes pratiques publiés en 2020, ce qui signifie que cette coopération, d'une manière générale, la coopération générale, c'est une conclusion intéressante. Nous attendions plus à ce que les rapports, les mentions aux droits de l'homme soient plus fréquentes. Ça a été une légère surprise. Pour ce qui est de ce qui apparaît plus rarement, bien c'est quoi? C'est les éléments concernant certaines limites par rapport à la construction de la création de potentiel numérique, les étranglements, par exemple. Les botnets, par exemple. 8% seulement et 11% des contrats. Et puis il y a les activités des entités non étatiques. Les botnets sont des réseaux d'ordinateurs affectés par des virus. Remarque de la cabine. Nous voyons ici un autre élément graphique, plus lisible, plus intelligible, plus intuitif, je pense. Vous savez, il y a beaucoup de données qu'il faut essayer de synthétiser comme ça. Il s'agit de montrer comment la fréquence d'apparition de tel ou tel élément évolue avec le temps. Donc, nous avons divisé les contrats en plusieurs groupes selon l'époque où les rapports ont été, où les contrats ont été passés, et on voit les sujets qui sont évoqués. Et la fréquence avec laquelle ces sujets sont évoqués et l'évolution de la dite fréquence. On voit que la coopération et l'assistance, par exemple, c'est quelque chose qui augmente. C'est le cas des droits et libertés aussi. Et puis nous avons analysé les textes. Alors ici, nous avons analysé 26 contrats, mais nous avons supprimé les introductions. Tout ce qui était chemin battu, tout ce qui était préambule, tout ce qui était stéréotypé, pour vraiment nous concentrer sur les clauses, sur la substantifique moelle des textes. Nous avons rassemblé des textes, analysé les 10 textes, et ce que nous avons vu, c'est qu'il existe un groupe de mots apparaissant le plus souvent. On a par exemple données, sécurité, cybersécurité, information. On a ensuite des mots comme état, l'état, les états ou l'état avec une majuscule, accès, accessibilité. Ça, c'est un algorithme généré informatiquement avec les mots qui apparaissent le plus souvent. Ainsi, nous savons de quelle manière ces mots sont reliés les uns aux autres, comment ils coexistent, comment ils forment, ils créent du sens. Ensemble, ça pourrait être vraiment faire l'objet de nombreuses analyses ultérieures, mais le temps, évidemment, il existe des limites de temps. Voilà un tableau aussi que je tenais à vous montrer. C'est un tableau qui montre il y a deux colonnes de choses imposées et de choses interdites. Ça peut être des choses positives ou négatives, ça peut être des choses imposées ou interdites, par exemple. On écrit que quelque chose, que telle ou telle organisation s'engage à faire ceci, cela, etc. Ou va faire tout son possible pour, etc., etc., etc. Donc voilà pourquoi, comment fonctionnent les contrats. Donc ce sont vraiment des éléments descriptifs qui doivent être pris en considération dans le cadre des analyses
qualitative. Et voilà en quoi a consisté notre travail lors des travaux autour du fil thématique numéro 1. Merci beaucoup. Nous passons la parole à Anneken. Merci, Pablo. Nous n'avons plus que peu de temps. Je reprendrai la parole plus tard, donc je vais être vraiment très bref. Deux phrases uniquement de ma part, si vous le permettez. Au sujet de l'analyse qualitative et quantitative. Premièrement, je vais vous dire que les chiffres que vous voyez ne disent pas beaucoup sur la qualité des normes en vérité. Nous devons donc comprendre que le consensus concernant un sujet donné ne se retraduit pas nécessairement à une force de frappe. Donc je vais essayer de parler de manière concise. C'était juste une petite contribution de ma part. Plus tard, je reparlerai. Merci beaucoup. Merci, Pablo, pour cette revue des travaux du groupe Sentier 1. Maintenant, je pense la voix Mallory Noddle qui va nous parler du Sentier 2. C'est dommage que vous ne soyez pas avec nous ici à Katowice, mais nous pouvons au moins nous voir en ligne. Moi, je vais parler des travaux du groupe qui s'occupait du Sentier 2. Donc, notre objectif était d'analyser des tests, des normes par rapport aux événements qui ont eu lieu sur Internet. Donc, il s'agissait de réfléchir sur, de savoir comment les normes existantes peuvent permettre de réduire les événements négatifs dans le cyberespace, comment ces normes, dans quelle mesure elles sont efficaces par rapport aux événements existants. Je voudrais avant tout aussi remercier tous les bénévoles qui ont travaillé pour nous. Je cite les noms Ali Dwyer, Barbara, Fred Hansen, Evan Summers, Louise Marie Hurel et d'autres. Merci beaucoup à ces personnes, car sans leur contribution, ça aurait été vraiment très, très difficile de pouvoir réaliser nos travaux. Notre plan était très ambitieux. Nous voulions voir de près les événements importants, les grands incidents sur Internet en matière de cybersécurité. Et nous voulions mener une analyse à caractère plutôt qualitatif. Nous voulions mieux comprendre l'influence de ces incidents et aussi communiquer avec les équipes qui réagissent aux incidents sur le réseau. Vous pouvez vous imaginer, les travaux ont été vraiment intenses, mais très satisfaisants. Je suis heureuse de pouvoir vous parler de nos conclusions dans le cadre du Forum IGF. Nos conclusions ont été formulées dans le cadre d'un rapport qui, espérons-le, sera objet de discussion à haut niveau. Et nous allons créer une banque commune concernant les événements de cybersécurité et comment ils se retraduisent, quel leur impact sur la vie des individus. Avant de passer à nos conclusions, je vais peut-être parler d'abord de la méthodologie de notre recherche. Évidemment, des incidents en matière de cybersécurité, il y en a eu plein. Si vous imaginez, le premier pas était d'identifier les différentes formes de cyberattaque. C'était déjà un défi. Nous voulons nous assurer que la portée de nos travaux sera suffisamment large. Et nous voulions donc que cette tentative concernant les incidents, que cet échantillon soit réellement représentatif géographiquement. Donc, vous voulez analyser des incidents qui ont un impact
sur les gens dans différentes contrées du monde. Et c'était des incidents qu'on a réussi à prévenir ou en réduire les impacts, mais c'était des incidents qui potentiellement auraient pu impacter la vie de nombreuses gens ou des incidents qui auraient pu changer le discours international. En d'autres termes, nous voulions que ces incidents soient des incidents importants, qu'il y ait l'effet de l'échelle. Et des incidents qui sont inscrits dans la mémoire collective parce qu'ils ont été présents dans la presse, par exemple. Un tel incident de cybersécurité peut prendre des formes très différentes. Martin en avait parlé, n'est-ce pas? Donc nous avons parlé des attaques, de DDoS, de malware, des menaces. On a aussi parlé de techniques différentes, de dévoilement des données sur Internet, donc des infractions de toutes sortes. Et en fait, en fin de compte, nous avons créé une liste de 9 incidents dont nous voulions apprendre des choses. Nous voulions savoir, en apprendre plus sur leur sujet que ceux que nous savions sur la base des publications. Nous avons donc analysé toutes les informations accessibles et nous avons essayé de nous répondre à la question de savoir si les cybernormes pourraient, si elles avaient été mises en œuvre, auraient-elles pu se retraduire sur ces incidents que nous avons identifiés. Qu'est-ce que ces normes devraient être? Lesquelles de ces normes seraient les plus de plus grande aide en matière de ces incidents que nous avons identifiés? Évidemment, toutes ces informations, vous allez les trouver dans notre compte-rendu. Je vais citer des fragments de ce rapport, d'ailleurs. Par exemple, le virus CIH. C'était l'un de ces incidents, c'était en 1999. C'était surtout les ordinateurs avec Windows qui étaient objet de l'attaque. La réaction du côté de Microsoft était très efficace et Microsoft, depuis ce temps-là, d'ailleurs, s'engage beaucoup dans les travaux de réponse rapide. Ensuite, il y a eu des attaques DDoS en 2007. Un autre exemple très intéressant, je crois qu'on en a déjà parlé aujourd'hui pendant l'une des sessions, c'était donc le Ghostnet. C'était une attaque sur les activistes tibétains, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2009, il me semble, et c'était des attaques ciblées envers les représentants de la société civile, les journalistes, les activistes, et ainsi de suite. Et là, nous avons effectué une recherche approfondie et une analyse qualitative. Et je sais que nous serons rejoints pendant ce panel par quelqu'un du Tibet. Donc, on pourra en parler plus tard, plus en détail. L'incident suivant que nous avons analysé était une attaque sur l'infrastructure. Et c'est un incident en ce qui concerne l'affaire Snowden. C'est un incident que nous avons regardé de près parce que c'était bien un exemple d'événement pendant lequel cette fuite d'informations aurait pu se retraduire sur le changement de discours dans le monde. C'est pour ça que nous avons pensé que cet incident valait la peine d'être mis sur notre liste. Anastasia a analysé un incident qui concernait une question très importante. C'était Hybrid.
De même, en 2017, il y a eu une infraction de flux de données en Inde. C'est un incident que nous avons, sur lequel nous avons travaillé aussi. Enfin, en 2020, l'attaque SolarWinds, intéressante, il nous semblait, il s'agissait d'une attaque qui a attaqué le hardware, les équipements lourds, ordinateurs. Et enfin, un incident concernant l'utilisation de spyware, de programme d'espionnage. Donc Pegasus, en d'autres termes. Évidemment, c'est un incident qui fait les unes des journaux. Je souligne encore une fois que nos analyses étaient censées être des analyses qualitatives. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour vous en parler plus longuement. Mais comme vous voyez, c'est des incidents de type différent. Il y a aussi des conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Je vous encourage donc à lire notre rapport, parce que nous espérons un retour d'information de votre part. En menant ces travaux de recherche, je me suis intéressé énormément à ces sujets. Il me semble que cette année devrait être continuée. On peut dire que notre rapport est un rapport de travail qui peut être développé, parce que ces travaux que nous faisons peuvent être continués. J'aimerais beaucoup que ces travaux à nous aient sa continuation, parce que nous collectons, nous créons une banque d'informations. C'est une banque d'histoire au pluriel concernant les différents événements dans le cyberespace qui peut être très utile dans le futur, parce que ce sont des attaques qui enfreignent les droits d'individus concrets. Donc, ces histoires sont très intéressantes, et un grand avertissement pour nous dans le futur. J'espère que vous allez rejoindre nos efforts dans le cadre du Forum des meilleures pratiques. Et j'espère que si quelqu'un s'est senti intéressé et voudra nous rejoindre, il se sentira motivé pour le faire. Je vous remercie et je vais passer la parole au modérateur. Merci. Merci beaucoup pour cette description des travaux menés par le groupe concentré sur le fil thématique numéro 2. Je voudrais maintenant répéter une chose qui a été dite par Mallory et qui concernait tous les groupes de travail, à savoir que les activités menées sur le cyberespace, les cyberdangers, sont lourdes de conséquences. Il est difficile de juguler totalement, de réduire complètement ces risques, de les faire disparaître, mais nous pouvons les réduire de manière significative. Nous pouvons réduire de manière significative les conséquences des cyberattaques en faisant en sorte que les victimes soient protégées dans la mesure du possible. Et c'est pourquoi nous mettons au point des normes internationales. Dans le cadre de notre groupe de travail, nous essayons de voir comment ces normes pourraient limiter les conséquences des cyberdélits pour ce qui est de, en protégeant par exemple des usagers, des individus ou des organisations. Lançons maintenant le colloque en lui-même, la discussion interactive. Nous essaierons de répondre à la question de savoir comment faire en sorte que les conclusions qui sont tirées grâce à nos documents puissent avoir une emprise sur le réel, peuvent avoir prise sur la pratique. Nous aurons l'occasion d'écouter des gens comme Mallory, Noldel, Pablo, Hinojosa et Sheetal Kumar qui ont participé aux travaux. Ce sont les trois personnes qui ont chapeauté les travaux des trois groupes. Je leur donne la parole dès maintenant. Ça fait beaucoup de responsabilités pour trois personnes, vous savez, mais je propose que Mallory soit un peu la
la modératrice de cette partie, parce que l'automodération collective sera compliquée. Mais puisque j'ai le micro, je vais m'en servir et je vais dire qu'il est extrêmement important d'analyser la valeur qui découle de ces rapports préparés, rédigés par les experts. Il est important aussi de réfléchir au rôle que le Forum des meilleures pratiques pourrait jouer, lequel est organisé dans le cadre du sommet numérique de l'IGF. Après, je vais proposer vraiment à Mallory de prendre la baguette. D'accord. Je vais essayer d'être digne de la mission, même si vous êtes tous sur Zoom, sauf alors que moi, je suis à Katowice. Mais pourquoi pas, je pense que ça devrait être faisable. Je pense tout de même qu'il serait bon que chacun se présente, parce que ce que je n'ai pas, c'est la liste de tous les intervenants. Donc j'aimerais que vous vous présentiez brièvement pour commencer. Après quoi, j'aimerais que vous répondiez tous aux questions, aux quatre questions. On a quatre questions et six intervenants. La première question est la suivante. Quelles sont les tendances que vous avez identifiées en matière de développement de normes autour de la cybersécurité? Et où vous semble-t-il que nous allions? Où ces tendances nous mènent-elles? Ça, ce serait la première question. Quelles sont vos impressions là-dessus? Où allons-nous? Dans quelle direction ces tendances semblent nous faire aller? Voilà la question que je vous pose. Je suis seul sur place. Vous êtes sur Zoom, je n'ai pas la liste des intervenants, donc merci encore une fois de bien vouloir vous présenter et peut-être déterminer l'ordre entre vous. Moi non plus, je n'ai pas la liste des intervenants, vous savez, mais je répondrai à la question. Je propose que chacun d'entre nous réponde à la première question, on passera à la suite après. D'accord, faisons cela. Commençons par la première question, très bien. Alors allez-y. Je m'appelle Chris. Chris Painter. Je suis président du Forum mondial de l'expertise cyber, de l'expertise sur la cybersécurité. Notre fondation, la GFC, est une fondation qui crée de nouvelles capacités, de nouvelles compétences sur une communauté d'environ 150 parties prenantes avec beaucoup d'États, de représentants du secteur privé, de la société civile. Je pense que ces liens sont importants. Je vais parler du point de vue vraiment de la GFC que je représente. Je voudrais dire que les travaux de notre forum sont très importants parce que ce qu'on arrive à faire, c'est à visualiser les tendances actuelles. Et puisqu'il est question de tendances, je voudrais dire que nous accordons une attention croissante aux incidents en matière de cybersécurité. Et non seulement dans le cadre de notre groupe, de la GFC, mais de diverses structures de l'ONU. Je sais que les incidents en matière de cybersécurité sont de plus en plus hauts dans la liste des priorités et je pense que c'est une tendance indiscutablement positive au sein de l'IGF, de la GFC. Nous essayons non pas de créer de nouvelles normes, mais de faire en sorte que les normes existantes soient respectées. Nous parlons souvent de la meilleure manière de faire respecter les normes qui existent déjà, comment les faire respecter au jour le jour. Je vais maintenant enlever un peu ma casquette et je vais parler de ce qui se passe en dehors de mon organisation. Il me semble que il est important de garder à l'esprit les questions de responsabilité. Il faut savoir qui devrait être tenu responsable des cas de non-respect des normes. Si personne ne tire les conséquences, si personne ne subit les conséquences, alors, hélas, les normes n'ont aucune raison d'être. Aujourd'hui, par exemple, les normes mises au point par le groupe d'experts gouvernementaux des Nations Unies ont été analysées par nos soins et nous réfléchissons à la question de savoir si ces normes effectivement pourraient réglementer les questions liées aux logiciels espions, aux rançongiciels, etc.
C'est effectivement, oui, ce serait tout de mon côté. Je dois dire que nous réfléchissons principalement à la question de savoir comment faire pour que les normes soient respectées. Et nous impliquons dans nos travaux des représentants de divers milieux. Voilà, merci. Merci, Chris. Bart, maintenant. Welcome. Bienvenue. We can go with Sharif as well. Bien, Sharif, alors, en attendant. Mm-hmm. Bonjour, merci de m'avoir accordé la parole. Je suis professeur. Je suis académicien, je travaille dans la recherche. J'ai cru entendre une voix, c'était une question. Non, c'est pas une question, c'est juste une remarque, il y a beaucoup d'écho. Attendez, je vais utiliser des écouteurs. J'ai branché mes écouteurs pour éviter de créer de l'écho, en fait. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, tant mieux. Donc je suis membre de l'UNGGE, groupe d'experts gouvernementaux auprès des Nations Unies, depuis 2015 en pratique. Je suis originaire d'Égypte. J'habite aujourd'hui aux États-Unis, mais je suis égyptien. Et en Égypte, j'ai pu participer à diverses initiatives nationales liées aux aspects cybersécurité. J'ai aussi travaillé à un forum international dans le cadre de l'ITU, entre autres. Pour ce qui est de ces travaux concernant les meilleures pratiques, il faut avant tout porter un regard sur les normes, se pencher sur les normes. Ce qui est important, c'est de réfléchir à la meilleure manière de construire de la confiance, mais avant qu'il y ait des événements négatifs en matière de cybersécurité. Donc essayons d'avoir toujours un coup d'avance pour être prêt à réagir. On parle des filtres. Je dois souligner qu'il faut nous intéresser aux meilleures pratiques, entre autres en matière de mise en application de normes. Et pour ce qui est de faire respecter les normes, il ne s'agit pas que de créer une liste, il s'agit aussi de travailler à la mise en application et à la mise en vigueur, au fait de faire respecter les normes. On a parlé de l'attaque des DOS, on a parlé des botnets, les réseaux d'ordinateurs infectés. C'est arrivé dans mon pays, à une assez large échelle, parce que un pays voisin a attaqué justement l'Égypte à l'aide d'un botnet, à l'aide d'un réseau d'ordinateurs infectés. Dans ce type de contexte, on se demande ce qu'il faut faire. Et dans la première réaction, c'est d'essayer de limiter les conséquences. Ce qu'on peut faire grâce à une coopération avec le secteur privé. Bien évidemment, cependant, il faut que le processus soit encore plus large encore. Il faut être prêt à ce type de coopération. Cela étant, bien sûr, nous avons aussi beaucoup discuté avec le secteur privé et des représentants du secteur privé se sont efforcés de nous aider. Nous ne pouvions pas non plus enfreindre le droit à la vie privée, la confidentialité de nos usagers. Il faut savoir et garder à l'esprit que les botnets, ils ont des adresses IP concrètes. Et ces adresses IP concrètes peuvent être utilisées par des institutions, par des banques. Il peut s'avérer que les banques vont être considérées comme organisations ayant pour but d'espionner leurs clients. Donc il ne suffit pas de dire qu'on a des solutions, qu'on connaît les solutions. Il faut qu'il y ait vraiment une approche multilatérale permettant de réagir rapidement. Et je profiterai de l'occasion pour souligner l'importance d'analyser ensemble les divers éléments, les divers incidents, leur évolution, leur scénario, pour pouvoir se préparer aux prochains cas, aux prochains événements de ce type. C'est pourquoi il faut créer les meilleures pratiques qui vont nous permettre d'agir dans la pratique, justement.
Pour ce qui est de l'échange d'informations, c'est là aussi un sujet essentiel. C'est un processus qui a été lancé il y a 20 ans déjà dans mon pays. Alors bien sûr, au début, c'était assez difficile. Et le lancement de la coopération n'a pas été facile depuis le début, mais on voit à quel point c'est intéressant maintenant. Les gens sont conscients de l'importance de la création de structures capables de réagir rapidement à des attaques à l'aide de botnets, par exemple. Il faut se souvenir qu'il y a tout un ensemble de partenaires dont les actions doivent être coordonnées lorsqu'on réagit à ce type d'attaque. Donc c'est très important. La coopération est particulièrement importante. Il faut que la coopération se fasse au niveau régional, national, international. Et c'est bien ce que nous faisons dans le cadre de l'Union africaine. Je m'arrêterai ici pour l'instant et je vais donner la parole maintenant. Je vais laisser un peu de temps de parole aux autres. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je suis une des modératrices. Je voudrais maintenant demander à Bart de bien vouloir prendre la parole. Mais ce que je voudrais dire aussi, avant de le faire, c'est qu'une des conclusions de l'analyse fait l'écho d'une des autres sessions de l'IGF. Il s'agissait de l'importance de bien analyser très exactement les attaques de type ghostnet, botnet, parce que ces analyses soulignent l'importance de bien analyser les vulnérabilités de manière à avoir à notre disposition des équipes, des entités, des structures capables de réagir rapidement. Donc ces situations doivent être bien comprises, bien analysées pour que l'on puisse bien y réagir. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait réagir? Nous ne vous entendons pas, mais... Oui, mais je veux... Si, vous m'entendez? Oui, pardon. D'accord. Je ne me voyais pas, par contre. Mais j'ai eu des problèmes de connexion, mais je vois que cette fois, c'est fait. Merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de participer à cette discussion. Je suis responsable de la coordination des centres de réaction rapide aux incidents en matière de cybersécurité. C'est le groupe CERT. Et je m'occupe principalement des vulnérabilités, cybernétiques. Dans le cadre de notre organisation, nous faisons des rapports concernant les incidents qui ont lieu dans notre pays. Je suis également membre de l'organisation FIRST. Donc, beaucoup d'expérience pour ce qui est de l'analyse des vulnérabilités cybernétiques. Pour ce qui est des normes en la matière, je pense que ce qui est important, c'est d'identifier les vulnérabilités, justement, entre autres, dans le cadre, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, et de créer des normes en matière de réaction rapide aux incidents. Voilà la zone thématique, le secteur d'activité sur lequel je suis concentré. Pour ce qui est maintenant de la méthodologie, puisque la question est particulière aussi, moi, je suis un partisan des tests. Je suis pour mettre à l'épreuve les diverses solutions, un peu comme dans le deuxième fil thématique, en fait, c'est-à-dire vérifier si telle ou telle norme permet effectivement d'éviter, de bien réagir ou au moins de réduire les conséquences de tel ou tel incident. Je pense que c'est très important de savoir si les outils sont efficaces. Et c'est un travail qui doit être continué, je pense. La méthodologie est solide, il me semble. Nous devons continuer à l'appliquer. Nous devons continuer à suivre les changements. Parce que vous savez, il y a 10 ans se sont passés, 10 ans se sont écoulés. Donc le paysage du cyberespace a évolué. Nous avons affaire à de nouvelles entités, de nouveaux types d'acteurs. Pour ce qui est des normes, je pense qu'elles vont dans le bon sens, qu'elles évoluent dans le bon sens. Lorsque je discute avec les gens du milieu, du métier, je vois que les normes sont de plus en plus utiles, notamment concernant la manière d'identifier les vulnérabilités. Je me rends compte que les normes sont de plus en plus nombreuses aussi. Nous sommes témoins d'un véritable processus de normalisation. Et c'est une bonne chose. Ça permet une approche cohérente.
Il y a encore du pain sur la planche, c'est sûr, car il existe des cas où, effectivement, on a des attaques qui utilisent des vulnérabilités que nous connaissions déjà. Donc là, ça veut dire qu'il y a un problème, puisqu'on avait déjà identifié les vulnérabilités. La vulnérabilité a quand même été exploitée par un criminel. Ça fait des années que je suis actif sur le sujet de la correction des vulnérabilités. Ça reste un problème très difficile à régler à grande échelle. Il y a une chose que j'ai déjà dite, mais sur laquelle je vais attirer votre attention une nouvelle fois, à savoir la facilité avec laquelle on peut exploiter des vulnérabilités. Lorsqu'on est un cybercriminel, nous avons vu de tels cas, par exemple. On a parlé de SolarWinds, on a parlé de Pegasus. Ça, ce sont. Il y a les attaques Zero Days aussi. Ça, ce sont des attaques qui ont été menées. Pourquoi ? Parce que les auteurs avaient identifié, avaient remarqué quelques trous dans la défense, quelques vulnérabilités qui n'étaient pas forcément connues du grand public, mais eux les connaissaient. Donc il faut identifier, il faut repérer les vulnérabilités, les points faibles, le plus tôt possible, publier des informations sur le sujet pour utiliser que ces vulnérabilités soient utilisées par des gens mal intentionnés. Essayons de contrecarrer. C'est tout pour moi. Merci. Merci, Art. C'était des commentaires vraiment très utiles. Maintenant, j'aimerais passer la parole à d'autres participants et membres de notre discussion. Est-ce que quelqu'un voudrait se référer à ces défis auxquels nous avons à faire? Nous avons avec nous, j'espère, Lobsang. Ce qui résulte des études, c'est que les événements concernant la sécurité ont un impact direct sur des individus concrets et sur des communautés concrètes. Et dans certains cas, cette influence peut être énorme. C'est pour cela que je m'adresse à Lobsang qui peut nous dire un peu plus du point de vue de Private Access Institute. Peut-être que vous voudrez te référer à la méthodologie et à d'autres questions qui ont été abordées ici. Nous n'oublions pas que Henneken est avec nous et on va lui donner la parole après. Je peux attendre, je peux répondre immédiatement. C'est comme vous voulez. Alors commençons par toi, Lobsang, et ensuite on va passer plus loin. Oui, bonjour. Je m'appelle Lobsang et je travaille au Tibet Institute. Nous parlons ici de normes. L'organisation dans laquelle je travaille est une organisation dont l'objectif est de limiter l'influence des événements en matière de cybersécurité. Nous essayons aussi de bâtir des capacités et un potentiel des communautés locales pour affronter ce type d'événements. En ce qui concerne donc les normes pour la cybersécurité, il faudrait se référer ici au compte rendu de 2008 ou 2009 qui concerne le GhostNet. C'était l'un des événements importants auxquels on a eu affaire. Donc, si nous regardons ce type d'événement, nous avons affaire à des événements qui sortent des normes encore. Il y a des normes qui sont créées, peut-être pas au niveau de l'ONU, mais au niveau, mettons, régional. Donc, nous devons réfléchir quelles sont ces normes et comment elles sont utilisées par différents pays. Par différents États. Et en même temps, il faudrait dire quelque chose sur la manière de punir les criminels ou ceux qui ont causé ces attaques. Évidemment, ce n'est pas facile, mais il faut créer des mécanismes en cette matière. Donc, ici, j'aimerais souligner cela du point de vue de notre organisation. Si nous regardons, par exemple, les attaques en 2009,
nous avons commencé à réfléchir à l'époque comment identifier d'où provenait l'attaque donnée. Parce que nous avons des informations qui ont été utilisées pendant cette attaque, et c'était des informations qui avaient été utilisées par le gouvernement chinois. Donc nous ne savions pas comment approcher ça. Nous n'avions pas de réponse à cette question. Mais maintenant, je pense qu'on peut travailler plus en profondeur à ce sujet. Je me ferai plaisir de répondre à d'autres questions, mais j'aimerais souligner ici la question qui concerne de savoir quelles sont les normes dont on a besoin. Nous avons besoin, à mon avis, des normes qui concernent en particulier l'infrastructure, surtout l'infrastructure critique. Mais qu'est-ce que l'infrastructure critique, après tout? Nous tous, je pense, nous comprenons ce que c'est que l'infrastructure critique. Mais nous la regardons essentiellement en matière de... Donc en catégorie d'infrastructure physique. Alors que souvenons-nous que l'infrastructure critique a aussi une dimension soft. Pour nous, par exemple, l'infrastructure critique est notre site Internet, parce que c'est par notre site que nous agissons. Alors nous devons vraiment réfléchir sur la définition de l'infrastructure critique pour les différentes entités. Parce que si nous voulons adopter une approche multilatérale, nous devons vraiment faire cela. Je te remercie pour ces remarques. Il me semble en effet que devant nous, il y a encore beaucoup d'enjeux, mais nous faisons déjà des progrès, nous allons dans la bonne direction. Nous devons réfléchir à ce que nous devons encore faire. Il me semble que l'une des conclusions est celle que les normes sont nécessaires, sont utiles, et les normes que nous avons aujourd'hui pourraient nous éviter les incidents qui ont eu lieu dans le futur et qui sont sur notre liste. Donc il nous reste beaucoup de choses à faire, surtout en ce qui concerne la protection de l'infrastructure critique dont nous venons de parler. On va passer à Henneken maintenant, qui, j'espère, nous présentera ses opinions et ses réflexions sur les conclusions qui résultent des conclusions formulées par notre groupe de travail. Merci beaucoup, Chital. J'aimerais d'abord me référer à ce qu'avait dit Mallory, en fait, à la question qu'elle a posée sur les tendances présentes. Je suis chercheuse. Je travaille dans un petit institut d'études qui s'occupe des politiques dans le cyberespace. Nous analysons le niveau de discours international sur le sujet de la cybersécurité, mais aussi nous travaillons sur l'état de la mise en œuvre des normes. Et je dirais que nous identifions à présent des tendances parallèles qu'il serait bon de mettre en cohérence dans le cadre des discussions qui sont menées à l'ONU. Souvenons-nous qu'il est trop tôt pour fêter le succès des normes concernant la cybersécurité. Il me semble que nous agissons dans une espèce de bulle fermée. Donc, nous parlons de normes qui concernent la cybersécurité, qui sont compréhensibles pour nous, mais nous nous voyons sur un niveau théorique d'accord politique, alors qu'il faudrait passer à l'étape de la mise en œuvre et du fonctionnement réel de ces normes pour savoir si elles fonctionnent réellement, si elles sont mises en œuvre de manière réelle par les gouvernements des différents pays. Et si sur ce forum, nous devrions le dire, que nous avons énormément besoin de travail concentré sur... ou sur le respect de ces normes. On peut dire que ces normes ne sont pas des normes qui ont pour objectif de limiter ou de freiner les
les programmes potentiellement nocifs. Et lors de l'élaboration des recommandations de l'UNGG, ainsi que de recommandations du groupe intergouvernemental d'experts, nous en avons parlé aussi, que nous devrions être conscients des implications que c'est des normes plutôt abstraites. Il serait bon de savoir qu'il y a d'énormes différences entre le respect de ces normes dans différents pays. Souvenons-nous que les gouvernements des pays et les représentants de du secteur technologique ne sont pas nécessairement en état d'arriver à un consensus sur qui devrait prendre la responsabilité sur la mise en œuvre de ces normes. Sur le chat, il y a eu aussi une question concernant les pressions du côté de l'environnement. Et nous devons réfléchir sur d'où vient une telle pression. Est-ce que c'est les organisations de la société civile ou ce sont peut-être des spécialistes, des groupes de spécialistes en matière de cybersécurité, ou est-ce peut-être de la pression qui nous vient de la part des organes publics? Une synergie serait bienvenue, ce qui nous permettrait de fêter le respect plus efficace de ces normes. J'espère que je pourrai encore continuer mes travaux. J'ai commencé par dire que nous fonctionnons dans une espèce de bulle, n'est-ce pas? Bulle cybernétique. Et il sera important maintenant de comparer les normes concernant la cybersécurité avec les normes qui étaient contraignantes avant l'ère du cyberespace. Je pense que ce que nous avons fait pour la société de l'information ne devrait pas être oublié. Merci, Nekon, pour ces remarques. Un grand merci pour tes indications concernant ce sur quoi nous devrions nous concentrer dans le futur. Maintenant, Sienna, j'espère que Sienna est avec nous en ligne. Je suis un peu perdu parce que nous sommes nombreuses ici sur Zoom, mais je suis heureuse de vous voir tous. Ceux d'entre vous qui ont lu le compte-rendu savent que l'un des incidents dont nous avons parlé concernait l'utilisation du programme Pegasus. Nous avons dit que nous manquions de principes concernant le respect des normes, en particulier des normes qui se traduisent en droits de l'homme, qui ont un impact sur le droit de l'homme. Une de vos recommandations concernait ce sujet. Donc, je voudrais justement passer la voix à Sienna et demander si tu as peut-être encore d'autres réflexions concernant la méthodologie des recherches que nous menons. Je comprends que tu as besoin d'aide pour brancher ton microphone. Je m'excuse. Je n'étais pas en mesure de brancher mon micro, mais j'y suis arrivé quand même. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce colloque. Les énoncés, les commentaires que j'ai entendus, c'était tous très intéressant. Alors maintenant, peut-être très brièvement, je vais me présenter. Je suis spécialiste senior des questions juridiques. Dans le cadre de l'organisation CIS, du laboratoire CIS, nous sommes un laboratoire interdisciplinaire affilié à l'Université de Toronto au Canada et nous travaillons sur l'analyse d'outils ciblés de surveillance et quel est leur impact sur les droits de l'homme. Donc nous menons des campagnes de toutes sortes pour la sensibilisation au sujet de la cybersécurité. Depuis 2016, en particulier, nous spécialisons dans les recherches concernant les programmes d'espionnage tels Pegasus.
fournie par le groupe NSO. Et le groupe NSO qui est fournisseur de ces logiciels pour les gouvernements nationaux est l'objet de nos recherches, de nos analyses. J'aimerais souligner que les normes dont nous parlons ici doivent se traduire en un cadre juridique sérieux, de manière à ce que nous puissions limiter les incidents de cybersécurité. Je pourrais donc peut-être parler plus en détail sur ces normes, mais je pense que beaucoup d'intervenants en ont déjà parlé, donc je ne vais pas le faire maintenant. Une chose quand même que j'aimerais souligner ici, c'est que nous devons développer des normes et des principes concernant la mise en œuvre de réglementations dans le secteur qui est responsable de la création de programmes qui servent à la cybersurveillance. Je pense que nos travaux maintenant ont pris de l'élan. Nous sommes engagés dans des procédures juridiques qui se déroulent aux États-Unis contre le groupe NSO, qui est fournisseur de logiciels de surveillance. L'administration du président Biden a exprimé ses engagements pour cette enquête. Nous sommes donc engagés aussi dans les travaux qui concernent les nouvelles réglementations qui sont mises en place dans l'Union européenne. Les sociétés privées aussi qui ont des ressources travaillent avec nous en matière d'études concernant les droits de l'homme. Nous avons, c'est une société qui est responsable pour fournir cette technologie de cybersurveillance. Cette NSO doit être pris sous la loupe, pour ainsi dire. Nous devons comprendre de quoi devraient avoir les mécanismes d'élaboration de nouvelles normes. Ça serait tout pour ma part. Merci beaucoup. Des remarques utiles, instructives. Ma proposition serait maintenant la suivante. Je voudrais en fait m'adresser directement à Mallory. Je sais que vous êtes seule à être présente parmi nous là-bas à Katowice. Voudriez-vous commenter plus avant les sujets que nous avons mentionnés jusqu'ici? Y a-t-il des recommandations qui vous paraissent particulièrement essentielles en ce qui concerne les directions à prendre pour nos travaux à l'avenir? Est-il effectivement problématique que nous travaillons encore en étant un peu hors sol, un peu dans notre bulle? Et comment pourrons-nous faire face à l'avenir aux attaques de type Zero Day? Comment vous imaginez-vous nos travaux à l'avenir? Merci beaucoup. Je vais réagir avec plaisir à certains des commentaires qui ont été faits ici. Ensuite, nous passerons à quelque chose de plus ouvert. Certains d'entre vous ont parlé responsabilité. Qui doit être tenu responsable? Qui doit être puni pour tel ou tel acte de cyberterrorisme, de cybercriminalité? J'ai une certaine expérience pour ce qui est de l'analyse des manières dont les incidents en matière de cybersécurité, les conséquences que ça peut avoir pour les militants, pour les journalistes, pour ceux qui en sont souvent victimes. Et en fait, si on imagine, enfin, il faut imaginer, il faut se mettre dans la tête qu'il est, souvent difficile de faire porter les responsabilités aux auteurs de tels actes. Or, ce sont des individus concrets qui sont victimes. Donc, vous pouvez vous imaginer à quel point le sujet est essentiel. Si on est en mesure de dire que il est plus facile de faire porter la responsabilité aux auteurs quand on a 100% de certitude. Nous, dans le cadre de nos travaux, nous avons pris en considération des effets d'échelle
important. Pensez maintenant au cas de surveillance généralisée, au cas de Zero Scale. Vous savez, ce ne sont pas toujours des incidents. L'échelle n'est pas toujours immense. On a parfois des attaques, effectivement, qui touchent un nombre important de victimes. Mais on a des attaques plus modestes qui n'en sont pas moins lourdes de conséquences. Demandons-nous à chaque instant comment définir les questions d'échelle, ce que ça veut dire quand on dit qu'une attaque a été lourde de conséquences, qu'est-ce qu'on entend par là. Les attaques de type Zero Days, par exemple, les rançongiciels, comment est-ce que... Vous voyez, ça, ce sont des solutions, des techniques autour desquelles des secteurs d'activité sont créés. Et au lieu de faire des études, un peu comme cette année, peut-être devrions-nous analyser les trajectoires d'activité, voir quel est le vecteur d'attaque, de quelle manière, autour de tel ou tel logiciel malveillant a été créé tout un écosystème économique, parce qu'il y a c'est tout un secteur économique maintenant, les logiciels malveillants, on a toute une chaîne d'approvisionnement, de services. Voyons comment la pègre numérique s'organise et se crée. Et faisons en sorte que les infrastructures soient en sécurité. Il existe certaines limites au-delà desquelles les États ne pourront pas évoluer. Il y a des limites à ne pas dépasser par les États. Et ces limites, il faut qu'elles soient claires, contraignantes. Il faut qu'il y ait vraiment des bornes à ne pas dépasser. Je vais me permettre d'illustrer mes propos par un exemple. Nous, on est en train de coordonner nos efforts pour éliminer carrément les attaques de type Zero Days. Mais en même temps, le temps me fait défaut, donc je vais peut-être laisser la parole aux autres. J'imagine que vous avez des commentaires et des questions. D'ailleurs, voilà une question de ma part, pour commencer, que je pose à tous les intervenants. Et cette question est la suivante. De quelle manière ces groupes qui mettent au point des normes mondiales en matière de cybersécurité peuvent garantir la participation aux travaux des parties prenantes les plus intéressées, directement intéressées, notamment les victimes, par exemple. Comment est-ce qu'on peut faire pour impliquer les parties prenantes directement intéressées aux travaux visant à créer de nouvelles normes? Chris. Merci beaucoup pour cette question. Nous ne parlons pas ici uniquement d'État. Les auteurs ne sont pas forcément seulement des États. Il y a de nombreux autres groupes qui doivent être représentés, à mon sens. Lorsque les gouvernements étatiques parlent de mettre en application, d'introduire de nouvelles normes, souvent ce qui s'exprime, c'est leurs normes nationales qui régissent les interactions entre leurs États et les autres États. Mais vous savez, il y a quelques années, j'ai fait une présentation d'introduction lors d'une rencontre internationale. J'ai parlé d'une norme mise au point par l'ONU et je parlais des équipes CERT. Ce sont des équipes de réaction rapide à des attaques numériques. J'avais l'impression qu'était la mienne et que les auditeurs n'avaient aucune idée de ce dont j'étais en train de parler. Ce qui semblerait montrer que les efforts réalisés par l'ONU n'ont pas vraiment de prise sur le réel. Ou en tout cas sur l'état des connaissances parmi les masses, parmi les laïcs. Et je voudrais aussi faire référence à ce qui a été dit par Sheetal Kumar tout à l'heure, à savoir que les résultats de nos... Il faut partager les résultats de nos travaux avec le plus de monde possible. Il faut que nombreux soient ceux qui peuvent bénéficier des résultats de notre travail.
Je pense qu'à l'avenir, il sera intéressant de voir si, à partir du moment où on a été en mesure de dire telle ou telle attaque a été perpétrée par tel ou tel auteur, est-ce qu'effectivement les punitions, les sanctions ont été prises ? Parce qu'il est difficile souvent de connaître les auteurs. Mais est-ce qu'on arrive vraiment à faire payer la note aux auteurs une fois qu'ils sont identifiés ? Merci. Lop 5. En ce qui nous concerne, nous avons commencé, les travaux de notre propre équipe de réaction rapide aux cyberattaques. C'est un organisme de type société civile. C'est une association, dans notre cas. En lisant le rapport du GGE, on se rend compte qu'il est également question de créer de nouvelles possibilités, mais le plus souvent, les rapports de ce type se concentrent sur ce qui pourrait être fait au niveau des États. Il me semble que les initiatives de ce type doivent impliquer d'autres groupes, des groupes disposant des connaissances techniques qui s'imposent. Il faut qu'il s'agisse d'une coopération entre la société civile et les agences gouvernementales, de manière à ce que les formes, les équipes, les groupes de réaction rapide se composent non seulement de sociétés civiles, enfin non seulement de gens des agences gouvernementales, mais aussi de gens de la société civile. Merci beaucoup. Merci Lop 5. Excellent exemple, effectivement, de la manière dont nous devrions renforcer la coopération avec les représentants des divers groupes sociaux. Je pense que c'est effectivement une remarque très précieuse, instructive. Merci d'avoir partagé ce commentaire avec nous. Il me semble que quelqu'un voudrait prendre la parole du côté de notre plateforme à distance. Vous pouvez y aller. Vous pouvez parler. On dirait qu'on a un souci audio, au moins audio, avec la plateforme à distance. Nous vous recontacterons. Entre-temps, je ne sais pas si c'était Sherif ou Ziane, mais je vais passer à Sherif qui est juste à côté de moi à l'écran. Je vous en prie, Sherif. Merci. Moi, je voudrais ici souligner des points qui ont été soulevés, notamment ce qu'a dit Chris par rapport à l'importance de renforcer la coopération entre diverses parties prenantes, divers milieux, qu'il s'agisse d'agences gouvernementales, d'entreprises du secteur, d'associations, d'individus. Il est souvent difficile de lancer ce type de coopération, sauf lorsque des efforts vraiment concrets sont pris sur un projet donné autour duquel les entités effectivement peuvent se réunir. Les normes en matière de cybersécurité ont été mises au point, ont été rédigées par des entités étatiques. Mais il existe des corps qui montrent des voix qui disent que d'autres parties prenantes devraient également participer à la création de normes. Je pense qu'il est extrêmement important de travailler à une approche multilatérale de ce type. Je travaille pour des agences gouvernementales, mais je travaille aussi pour l'université, pour un centre de recherche. Il est important de coopérer, dans le cadre d'une confiance réciproque, de réaliser toutes les missions qui s'imposent afin de relever les défis liés aux aspects cybersécurité. C'est très important également d'échanger les meilleures pratiques et de les mettre en application dans la réalité. Pour ce qui est de la responsabilité, pour ce qui est de déterminer les auteurs des attaques, parfois on ne sait pas si c'est un groupe de malfaiteurs, si c'est un rançongiciel dont le but est purement crapuleux, ou si ce sont des motifs politiques. On ne sait jamais quels sont vraiment les... Souvent, on ne sait pas quels sont les mobiles.
mais la coopération pourrait rendre les choses plus faciles. Cela permettra de mener des enquêtes mieux organisées, plus profondes et plus tenaces. Aux États-Unis, il y a eu une attaque des infrastructures de l'énergie. Ont été attaqués. Il s'avérait que c'est un groupe russe qui avait coopéré, en l'occurrence, sur ce projet avec des Américains. C'est ce qui a permis de voir finalement qui était aux commandes, qui était le commanditaire. Il est important de souligner les coopérations de ce type et puis de voir que les différents groupes de parties prenantes ont accès à diverses ressources. Et je ne parle pas ici uniquement des entités étatiques, mais aussi d'autres, justement des acteurs non gouvernementaux, des acteurs non gouvernementaux, d'où l'importance d'une approche multilatérale. Merci beaucoup, Chérif. Très pertinent. Nous allons maintenant passer à l'apport que voulait faire notre aux éléments que voulait apporter notre plateforme à distance à Draka. Merci beaucoup. Nous savons que la jeune génération ou les jeunes générations sont les générations les plus vulnérables aux attaques. Comment donc faire en sorte que nos travaux contribuent à protéger les jeunes, les représentants des jeunes, de la jeune génération dans le cyberespace? Merci beaucoup. Qui voudrait répondre à cette question? Vous pouvez répondre soit via la messagerie, vous pouvez aussi répondre dans le rapport qui présentera les conclusions de cette discussion, car nous n'avons plus vraiment le temps de répondre de vive voix. Passons donc au résumé. J'espère que nous allons pouvoir justement formuler des conclusions. Oui, oui, nous passons justement aux conclusions. Ainsi, qu'avons-nous entendu? Eh bien, nous avons entendu dire que les études menées par nos groupes étaient une bonne chose et que la méthodologie appliquée était sérieuse. Nous voyons que ces études sont utiles et permettent de diagnostiquer certains problèmes, qu'il serait bon de collecter d'autres bonnes pratiques en la matière. Nous avons également entendu dire qu'il était important que nous prenions en compte le contexte le plus large possible, de ne pas rester hors sol, de ne pas rester dans une bulle, de coopérer avec diverses parties prenantes. Je vois que beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes positifs sont à l'œuvre. Faire des rapports sur les vulnérabilités, sur les points faibles, les trous dans la défense, essayer de faire des enquêtes, mener des enquêtes à chaque fois qu'une attaque est menée, voir que les dangers représentés par le marché noir, où on vend, vous savez qu'on peut acheter des informations concernant les vulnérabilités dans les systèmes. On voit donc que beaucoup de choses se passent, il y a encore beaucoup de choses aussi qui peuvent être améliorées. Nous pouvons continuer nos analyses. Souvenons-nous qu'il y a toujours des lacunes pour ce qui est des normes concernant les programmes espions, ce qui signifie qu'il est important de continuer à adopter des normes. Il est important que les cadres juridiques soient de plus en plus adaptés, sérieux et respectés. Pour ce qui est des conclusions, eh bien, je pense que les normes en matière de cybersécurité qui existent aujourd'hui continueront d'être utiles, peuvent nous permettre d'éviter des événements malheureux en matière de cybersécurité, tels que ceux dont nous avons été témoins ces derniers temps. Les normes, donc, sont efficaces. Il faut continuer à les améliorer, à les perfectionner. Je m'en tiendrai là, car le temps nous fait défaut. Nous allons devoir terminer ce colloque. Oui, merci, mais je voudrais tout de même, Martin, ici, vous présenter quelques liens. Ce sont des liens grâce auxquels vous pourrez obtenir plus d'informations. Vous pourrez consulter des documents liés par rapport à leur contenu à celui de notre discussion d'aujourd'hui. Merci à ceux qui étaient là-bas sur place à Katowice. Merci à ceux qui étaient connectés sur Zoom ou depuis Dhaka. N'hésitez pas à consulter les documents que je mets ici à votre disposition.
à l'écran. Je vous assure qu'ils en valent la peine. Je voudrais maintenant rendre la parole à l'intervenant suivant qui représente justement le Forum des meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Merci beaucoup. Ce Forum des meilleures pratiques fonctionne depuis 2016. Dans le cadre de ce forum, nous travaillons sur des questions importantes concernant la cybersécurité. Donc, au début de l'année, on a invité tous les bénévoles et les parties prenantes à amener leur contribution aux travaux de notre groupe. Et là, j'aimerais remercier à tous ceux qui ont décidé de soutenir nos travaux. Je remercie énormément. En ce qui concerne les conclusions de cette session, je pense qu'elles deviendront une inspiration pour nous tous, pour les chercheurs, pour les États concrets et pour d'autres parties prenantes. Nos rapports sont accessibles sur le site de Sommet IGF. Martin vous a montré le lien. Je vous remercie et je ferme la session.